Bonjour à tous. L'œil magique, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, mais savez-vous à quoi ça sert? Eh bien, il s'agit d'un indicateur visuel d'accord. C'est l'ancêtre du vue-mètre et il sert à donner une indication visuelle sur la qualité du signal de réception. Dans les années 30, ce vue-mètre s'appelait un galvanomètre et il coûtait très cher à fabriquer. De ce fait, on le trouvait que sur les postes haut de gamme. L'œil magique était une bonne solution, tant sur le coût de production que sur l'aspect esthétique. Mais au début des années 50, l'œil magique se répand de plus en plus car le public trouve ce composant tout à fait séduisant et donne un aspect visuel très apprécié sur les TSF. Savez-vous que cet œil magique est une invention française? Eh bien, il a été inventé par un ingénieur français au début des années 30. Et il en a fait don à l'humanité. Seulement, voilà, il a publié dans une revue scientifique les détails de son invention. Et cette publication va servir à un certain monsieur Allen B. Dumont, ingénieur américain, à s'approprier cette invention en déposant un brevet en 1932. Malgré les procès contre M. Dumont, la paternité de cette invention restera acquise à l'ingénieur américain. Aujourd'hui encore, l'œil magique est très prisé par les collectionneurs. Et il existe même une version plus moderne qui tente de reprendre les effets visuels de ce composant sans toutefois y parvenir réellement. Et voilà, maintenant vous en connaissez un peu plus sur l'œil magique. À bientôt au Musée de la Radio.